Nous disons grand bonjour, bonjour mes chéris, bonjour tous les amis, la belle monsieur. Je dis à la belle monsieur qui entre dans le canal juste pour continuer à partager des sourires ensemble avec nous. Ou même qui c'est un nouveau abonné, bienvenue au Lacayo. Tout ancien abonné, nous yon grand merci pour la façon que nous toujours aidons dans la chaîne. Je tiens à faire une vidéo, ça a été plusieurs mon dans la chaîne la belle monsieur qui t'a demandé, mais moi j'étais juste voulu partager ensemble avec nous. Mais moi j'ai une vidéo, ça a déjà dans la chaîne Michou qui s'est accueillie. Si tu fais pour vous abonner avec Chanel, ça, je vous demande juste pour capable faire, qu'on soit une recette ça. Qui recette liée, mes chéris, c'est un macaroni gratiné. Donc, on les macaroni gratiné, même c'est une recette, nous utilisons en plus, surtout dans toute qualité faite, communion, mariage, etc. Et macaroni gratiné, à tout, vous capable faire la caille, moi-même, je vais toujours me faire bon petit recette ça dans le week-end, de façon à ce que juste pour ma papi, et Zézé bien distrait, non. Qui ça que moi prend le besoin juste pour capable préparer macaroni en pas oublier cuisine dans tout li pa gen formule déterminée défini comme si tout le monde fait un bagaille même genre tout le monde capable préparer dans façon paille ça c'est façon que moi prend préparer propre macaroni gratiné pam pour vidéo mieux capable moins court parce que moi toujours mes vidéos court parce que me paraît la plus en vidéo juste pour dépasser 20 30 minutes moi vraiment pas gen patience pour ça et ça fait toujours simplifier vidéo yo. Juste pour nous capables de prendre patience, pour nous garder la vidéo jusqu'à la fin, mes chéris. Qui ça que moi fais? Ça, c'est bien moulé maintenant. J'ai noué là, je vais dans la ville. Ça qui arrive ou même, pas la vie bien moulé, ça peut dépendre de la façon que vous faites confiance à côté que vous achetez bien maintenant. Moi, je vais dans la ville pas maintenant, et plutôt, je vais chaud de lait, tout ça. Et puis, tout ça, c'est ingrédients que je prends besoin juste pour être capable de préparer ma macaroni. Ça, nous, je vais couper tout en petits dés. Tout simplement, je vais quitter les oignons juste pour être capable de montrer comment je vais couper. Qui ça, vous voyez, je vais des oignons blancs, c'est tout fort des oignons blancs. Je vais des tomates. Je vais un petit lait haché, ça, c'est olive. Si vous n'avez pas olive, ce n'est pas un problème. Sauf que je vais manger olive. Et puis tout ça, c'est poivron que moi gagne. Moi gagne poivron rouge, jaune et puis vert. Après ça, ça, c'est un petit girofle. Je vais mettre dans un piment et puis tout juste pour me capable mettre bouillir dans bien ça c'est ingrédient yo. Après ça moi gagne des qualités fromage moi gagne un fromage gagne un fromage parmesan moi gagne le fromage tête de mort ça intérêt de tête de mort haïtien et puis ça partie ça c'est pour moi préparer sauce béchamel qui gagne lait il gagne farine et puis il toujours gagne un oignon il gagne poivron il gagne un petit l'ail juste pour me capable préparer sauce béchamel là bien goût mes chéris. Et puis ça c'est macaroni hein? Et puis ça c'est un autre cheese moi toujours aimer utiliser qui vraiment goût moi pas l'utiliser là-dedans juste pour capable macaroni là capable sortir bien gustoso. OK, qu'on a là qui ça que nous pral faire avant mes bébés, m'a juste déposer ça quelque part et puis moi pral préparer viande là. Nous pral mettre épices dans viande là. C'est parce que puis y a un peu petit ça fait m'a mettre tout étaler tout épicio pour nous être capable boire épicio mais m'a dit nous tout épice moi pral utiliser juste pour capable mettre dans viande ça. Premièrement qui ça m'a mettre un petit sel. Mettez un petit sel, m'a mettre un petit moutarde, si toutefois manger moutarde. Nous prenons un petit sauce, moi, je ne vais pas mettre là-dedans. Tout le monde, les amis, la belle monsieur, connaît ce sauce, ça est vraiment aimé. Nous sommes capables de manger avec salade, feuille, tout ça. Je vais mettre un petit sauce anglaise. Il y a un peu de monde qui toujours a dit, je ne vais pas montrer ça que je vais utiliser. Et ça qui fait paraître devant la caméra, juste pour être capable de boire. Ça, c'est un piment à l'eau. Je vais mettre poivre. Je vais poivre. Je mettre un petit poivre. Les appétits, c'est bien, c'est tout épice ou manger ou mettre. Ça ne veut dire que ça que je mette, c'est lit pour mettre. Parce que tout le monde ne peut pas manger même qualité épice. Ça, c'est un safran. Je vais mettre un petit safran. Mais fais en sorte que les appétits, c'est un viande pour les capables de goût. Depuis que les appétits, comme ça, juste pour manger la même, les capables de goût. Et puis tout ça, c'est un peu de zon, je vais mettre. Nous avons un poudre. Et puis, ça va mettre encore, va mettre un petit paprika. Dossi. On a des petits paprika qui piquant et qui dossi.
Ok, on a la ça m'a pas ajouté encore, m'a pas ajouté épices. Et puis ça, c'est moi-même qui fais, ce sont épices blendées. Si toutefois nous besoin de comment moi préparer épices en Chanel moyen, nous sommes capables de jouer. Dans tous les Chanel moyen, il y a épices blendées. Moi, mettez 2 cuillères épices. Et puis, qui ça m'a pas ajouté encore, m'a pas ajouté un petit citron juste pour me capable bailler bien un petit acide. On a la mes chéris, on a fait mélange, donc juste pour nous capables de mélanger toutes épices dans la viande. Ok, mes chéris, là que moi fin fait mélange viande, finalement juste pour un papier plastique et puis tout juste pour nous capables de couvrir viande pour nous capables de mettre reposer. Pendant que viande a reposé, je vais couper les oignons et puis je vais rajouter le fromage. Juste pour nous capables comment je vais couper les oignons, je vais juste fendre en deux et puis je vais prendre un couteau maintenant. Mwen tiakel kom sa. Si tout fwa pa yon planche, ou kapap fè sa nan men. Lem fin fè sa, epi tou mwen koupe pa an dan an de, an fason aske pou li kapab bien fin. Apre sa, mwen jisale, mwen koupe l kom sa. Mwen koupe l kom sa, se jan ke nou el la. Mwen se ke nou el. Mwen kontinye koupe l. Ok, mes chéris, quand y a la qui ça que moi fais, moi juste prends un chaudier, moi mettez chaud, moi pour le préparer face là. M'a mettez un petit huile tout petit. Ça fait un petit temps que m'a mettez c'est parce que tout et moi gagne fromage qui gagne en pile graisse et puis moi gagne viande dans tout qui pour le faire propre graisse pas. Ça fait moi mettez un petit tac d'huile. Après ça pour macaroni et sauce béchamel là m'a préparé ça ensemble de façon à ce que pour macaroni lui même n'est pas grand temps frais. Quand y a la l'aime filmer mettez l'huile là chaud. Je vais ajouter tous les ingrédients. C'était tomate, c'est bien l'ail. Donc, je vais mettre du noir. D'oignon. Il vient poivre. Je vais mettre ça et puis je vais mettre un petit lag et quoi. Après, je vais montrer comment je vais ajouter viande. Ok, mes chéris, je remarque que les ingrédients ont commencé à laguer pour eux. Pour la question que je fais, je vais juste ajouter du viande moyen, je vais mettre reposer pour environ 15 minutes. Pour la quitter là, je vais faire de l'eau. Et de l'eau, je vais faire, c'est là que je vais quitter le bouillir juste pour être capable de cuire. Je ne vais pas même manger de viande qui crue. Même la viande, les moulins, même toujours quitter le fait, si bouillir dans l'eau. La faire parce que nous connaissons la ville juste pour capable. Quand la question que moi a fait, m'a ajouté un petit piment que moi te mettre un petit girofle. Ça m'a pas ajouté là dedans encore, m'a tout ajouté tout bagaille juste pour capable boire. M'a pas ajouté un petit bête tout petit. Après ça pour bagou, m'a pas ajouté un petit cheese, un petit crème cheese. Je ne vais pas mettre de pâte tomate dedans parce que le paprika est en train de couler. Je vais ajouter un petit sel sur les ingrédients, même si nous n'avons pas trouvé ça. Je vais quitter le bouillon. Ok, mes chéris, nous avons fait ça. Nous avons fait de l'eau. Nous avons fait la presque sèche. Je vais quitter le bouillon sèche. Nous avons fait la sentir bon et puis la belle. Ok mes chéris, nous allons passer avec une deuxième phase. Nous allons faire sauce béchamel là, et puis ça c'est de l'eau macaroni, on va mettre bouillir, il y a un poivron là-dedans. Je vais mettre un petit girofle, il y a un... Je vais mettre des dans l'ail, et puis tout mettre mettre persil, un petit huile, et puis tout sel. Je vais quitter juste bouillir, et puis tout juste pour être capable de mettre en macaroni. Je vais couvrir le tout à bouillir, puis là, ça c'est chaud pour sauce béchamel là. Je vais ajouter un petit bel là-dedans. Je vais mettre un chaud. L'eau fait sauce béchamel ou besoin toujours descendre le volume du feu juste pour ne pas brûler. Et puis, qui ça m'a fait, m'a tendre beurre à fond. Le beurre à fin fond, m'a pas ajouté ingrédients. Il y a des oignons, il y a l'ail, il y a poivre. Finalement, m'a mis juste pour commencer à laguer. Et puis, m'a pas ajouté farine. Quand on a un ingrédient, on commence en jambon, on va ajouter une petite farine. Mais je ne vais pas ajouter un peu de farine parce que le macaroni n'a pas en pile.
Et puis, m'a mèché, bien mèché, juste pour faire une même capable de jouer. Ok, là que moi assuré que farine est même bien cuite et puis tout qui ça m'a pas ajouté lait là. Ok, là je finis ajouter lait là mes chéris quantité que m'a besoin. Il y a là qui ça que m'a pas ajouté là-dedans. M'a pas ajouté un petit piment bro. M'a pas ajouté un petit persil dans persil à l'eau. Ça y a une façon à ce que juste pour capable bailler sauce en goût. Et puis m'a pas ajouté un petit sauce dans sauce mère. Ma misto la yo. Ça va pas ajouter encore, m'a pas ajouté un petit poivre. Si ou gen poivre blanc ou capable mettre. Et puis m'a pas ajouté, ou nous même pas mettre sel, m'a pas ajouté un petit peu de sazon. Juste pour capable goût. Kounya la m'a quitté li font petit bouilli après pour capable goûter pour me ajouter fromage moyen. Avant tout, qui t'aime ajouter un petit cheese dans la crème ça qui est vraiment goût. Et puis m'a mis tout là. OK mes chéris, l'aime fin assurer me l'être bien cuire par dans tout ça et puis moi descendre faire à net et puis qui ça que m'a fait, moi vais ajouter fromage moi. Fromage moi thérapie. Et puis, je vais ajouter le fromage, je vais juste mélanger, après ça, nous allons passer pour le montage. Là. Ça, nous voilà, c'est macaroni en cabouille. Ok, mes chéris, nous allons faire ce que nous allons faire, nous allons monter le macaroni. Non. Ça, c'est macaroni en gâteau fin bouillie, les couler. Et puis, fais en sorte que nous allons faire macaroni gratiné pour ne pas quitter macaroni en 3 cuillites. Parce que nous avons sol béchamel dans le cadre. Nous allons pas ajouter sol béchamel dans le cadre, juste pour nous capables de faire le mélange. Là. Fais en sorte que pour sol béchamel ou en tout, les mêmes sont capables de goût, pour capable de macaroni en bon goût. L'agent que nous avons là, m'a mélangé macaroni en ensemble avec. So, ça dit 40 ans pour un bagage comme ça. Nous avons là parce que c'est vraiment goût, il est belle. Et puis, moi te prends une autre forme, moi te passe un petit bel adon. Gen moun ne a fait macaroni gratiné yo, yo tout mélange viande ensemble avec, il n'y a pas un problème. Mais moi, je ne pas mélanger viande, je vais mettre un couche en l'air et un couche en bas. On va péter dans le plateau. Oui, qui l'aime filmer tes parties en bas, qu'on a la sauce face dans Noël là, on va mettre le sol. Mais sous mélanger, il n'y a pas un problème. Qu'on a l'aime filmer tes viande, qu'on a que ça qui m'a fait, m'a pas ajouté fromage en l'air. Oui, qui l'aime filmer tes couches fromage là, que ça m'a fait, m'a pas ajouté reste macaroni. Ok mes chéris, là que moi fin mettre et l'autre couche là, qu'on va pas ajouter fromage mais en soulé. Moi mais ajouter fromage ça en l'air, un petit fromage tête de mort juste la balle une belle couleur. Et fromage ça est vraiment goûteux. Là me fin mettre et puis moi vais chauffer four dans la balle mettre 180 degrés pour environ 20 à 25 minutes. Et puis tout moi vais mettre un petit noix 7 de beurre en l'air juste pour lui capable pas brûler. Ok, là me dit un petit noix 7 de beurre, c'est pas pile beurre, c'est un point qui est ou prend quelques petit crasbe et puis tout mettre dans l'air juste pour lui pas brûler. Nous allons mettre dans le four, dans le poney. Ok, nous allons mettre le gratiné noir dans le four, mes chéris. Donc, nous allons mettre le préchauffer pour 5 minutes et puis nous allons le coup d'œil. Ok, mes chéris, mes résultats macaroni gratiné, c'est gens que nous là, il est vraiment, vraiment sorti bien belle. Pas besoin de nous, il est vraiment goût, mes bébés. Tout le monde qui t'a demandé de me crémasser, très bientôt, je vais vous une vidéo crémasse pour nous dans la chaîne Michou et Staita. Dans le crème là mes bébés si nous fait un macaroni en façon que moi fait là pas besoin de nous n'a besoin en pile la bien goût n'a pas l'espace ça il pas gain pile l'huile ça fait nous besoin mettre moins l'huile en façon à ce que juste pour nous capable gérer santé nous mes chéris c'est comme ça lié je dis là moi papi avec Zizé là nous pral bien distrait nous là dans ces macaroni ça la prochaine dans une autre vidéo mes bébés ciao ciao.